Le but de cette série de vidéos, c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe, que sais-je. À partir de maintenant, on arrête de vivre sa vie par procuration et on se sort les doigts du... Un autre truc qui peut te causer problème, qui peut te poser questionnement, qui peut te freiner dans tes démarches, ça va être tout ce qui est communication, comment tu vas faire pour contacter tes proches, ta famille, comment tu vas faire pour voilà, avoir du wifi, avoir une connexion et rester quand même connecté. Bon, on est quand même dans un monde où tout le monde a un téléphone, donc jusque là, il n'y a pas de souci. Sur place, tu vas pouvoir trouver dès l'aéroport, bon, je te conseille pas d'acheter des trucs à l'aéroport parce qu'à l'aéroport c'est toujours beaucoup beaucoup plus cher, mais tu vas pouvoir trouver des cartes SIM avec des datas dessus. Selon la durée de ton séjour, tu choisis, tu payes tel prix, c'est généralement pas très cher non plus. Franchement, c'est vraiment pas cher et tu vas pouvoir avoir une connexion tout le temps. Parce qu'au moins, tu n'auras pas besoin d'être à l'hôtel pour pouvoir envoyer des nouvelles. Donc ça c'est grave bien. Le monde aujourd'hui est connecté, nous avons beaucoup de chance. Donc tu vas toujours trouver dans les hôtels, dans les auberges, dans ce que tu veux, tous les hébergements, généralement, il y a du wifi. S'il n'y en a pas, généralement, c'est écrit sur le site. Donc si vraiment la connexion, c'est quelque chose qui est important pour toi, eh ben, tu vas pas dans ces hostels-là ou dans ces auberges-là et tu vas trouver tout simplement un autre endroit. Même dans les coins les plus reculés, généralement, il y a quand même une connexion. S'il n'y en a pas, ce sera précisé, comme je t'ai dit. Aujourd'hui, je pense que tout le monde voyage avec son téléphone et potentiellement son ordinateur. Mais justement, si tu te demandes si tu dois prendre voilà, disque dur, ordinateur et tout le tintouin, je te conseille de ne pas le prendre en fait. Ça dépend évidemment de la durée de ton voyage, parce que déjà ça va te faire du poids, ensuite tu vas pas vraiment l'utiliser parce que t'es en voyage, donc tu vas pas passer ta life à regarder des séries, donc à la limite tu peux prendre une tablette si tu veux, qui serait un peu plus léger, qui serait... ouais, ce serait pas mal une tablette à la limite, mais bon, l'ordinateur il est pas nécessaire. Bon, moi j'avais mon ordinateur avec moi, mais c'est parce que du coup j'étais en Australie pour un visa vacances travail, que du coup j'allais y rester pour vraiment longtemps et que je savais pas en fait la durée de mes voyages. Mais si tu pars pour un mois, deux mois, je te conseille de ne pas prendre ton ordinateur, et si tu peux essayer d'enregistrer tes photos, si c'est une question de place en fait, sur ton téléphone ou sur ton appareil, essaie d'enregistrer tes photos dans le cloud, dans un drive ou quelque chose comme ça, comme sur internet en fait, comme ça ce sera beaucoup plus simple et tu n'auras pas à te trimballer un ordinateur qui sera lourd, qui sera pas vraiment utilisé en fait. Donc ouais, je te conseille de ne pas vraiment prendre un ordinateur et à la limite une tablette où tu peux visionner tes photos en plus grand, ou voilà, c'est un peu plus léger, je pense que ce serait un bon compromis la tablette, mais sinon vraiment juste le téléphone c'est amplement suffisant. Le téléphone justement, il va être utile à toutes les secondes de ta vie quand tu es en voyage, que ce soit pour trouver l'endroit où tu vas, pour prendre des photos, des vidéos, pour savoir enfin voilà, si tu te fais pas arnaquer quand on te donne le prix de quelque chose, pour à tout moment checker des blogs, etc. Bon bref, je ne vais pas te vendre les mérites du téléphone, tu les connais très certainement déjà. Mais voilà, le téléphone il va vraiment te servir tout le temps et je te conseille de tous les jours dire à quelqu'un où tu es, où tu vas, quel est ton programme de la journée, que quelqu'un sache toujours en permanence qu'est-ce que tu as prévu de faire comme ça, et que tu sois en fait en contact avec quelqu'un, pas en permanence non plus tu vois, mais très régulièrement, comme ça si jamais il t'arrive quelque chose, si jamais tu te fais enlever ou qu'on t'agresse et que tu te retrouves à l'hôpital et que voilà, tu peux pas, que tu n'es pas réveillé en fait pour communiquer avec les gens qui ont l'habitude de parler avec toi, ben au moins ils sauront qu'il s'est passé quelque chose, parce que habituellement tu donnais des nouvelles, ben, je sais pas, toutes les 4 heures ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça c'est vraiment mon conseil ultime. Ça c'est en fait à cause de ma mère que je le faisais, c'est parce que ben, elle psychotait, elle avait toujours peur qu'il m'arrive tout et n'importe quoi. Et du coup, ben, je lui donnais toujours des nouvelles, mon programme de la journée, je lui envoyais les coordonnées GPS de là où j'étais, de mon hôtel. Quand je changeais d'hôtel, à chaque fois je lui envoyais le nom de l'hôtel, les coordonnées GPS, voilà, la photo booking avec le numéro de réservation carrément. Et voilà, je lui envoyais tout le temps ma position et les activités que j'allais faire. Ça c'est super important. Encore plus si tu es seul, parce que du coup, ben, en effet, il n'y a personne qui peut s'inquiéter pour toi, quoi. Donc voilà, garde cette connexion avec des proches, de la famille, un ancien professeur, quiconque, mais garde un contact avec quelqu'un. Avant de te donner des conseils pour voyager dans les meilleures conditions possibles, avec en tout cas des trucs et astuces que moi j'ai appliqués pendant mes voyages, je finis avec le 10e point qui était le logement, par rapport à voilà, comment on fait pour trouver un logement, à quoi on peut se fier, etc. Ce que je faisais moi, c'était que je regardais toujours sur booking.com ou alors Hostelworld, t'en as plein, des applications comme ça qui peuvent t'aider à trouver un logement. Ce qui est bien, c'est que tu as les expériences
de personnes qui sont allées avant toi, donc je te conseillerais vivement, vivement de lire les commentaires et de ne pas juste te fier aux notes, aux notations qu'il y a sur la page de l'hôtel, parce que des fois, tu peux avoir vraiment des très mauvaises surprises. Je te conseille vraiment de regarder les commentaires, c'est généralement assez fiable. Évidemment, avant de partir, n'oublie pas de faire marcher le bouche à oreille. Tu peux toujours trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui est allé dans tel pays et qui a du coup peut-être un truc et astuce pour toi, peut-être un logement où il a passé du bon temps, ou peut-être un restaurant qui pourra te conseiller, quelque chose comme ça. Donc fais marcher le bouche à oreille, tu peux toujours trouver des bons plans. Et encore une fois, n'oublie pas de checker les pages de Backpacker sur Facebook. Tu vas toujours avoir quelqu'un qui aura posté quelque chose sur un établissement qui lui a vraiment plu, où il a été super bien accueilli. Voilà, il y a toujours cette entraide en fait entre voyageurs que tu vas pouvoir retrouver sur les pages Facebook, et ça c'est trop trop bien, parce que du coup tu n'as pas vraiment besoin en fait de faire des recherches super poussées, de lire un milliard de commentaires. Bon, la bonne expérience de quelqu'un peut être aussi la mauvaise expérience du l'autre, hein, j'en ai tout à fait conscience, mais généralement voilà, les voyageurs ils aspirent un petit peu au même type de vibes, et du coup ils vont parler dans leur publication voilà des points positifs de l'endroit, et donc je te conseille vivement de checker toutes les pages Facebook de l'endroit. Un autre truc que je faisais beaucoup, moi ça dépend du pays, mais ça va être de trouver ton logement directement sur place en fait. Quand tu te balades, tu vas passer peut-être devant un hôtel qui va t'attirer, qui a l'air sympa, je sais pas, et en fait tu vas juste aller là-bas, demander le prix et savoir s'ils ont des disponibilités tout simplement. Et ce qu'il faut faire, et ce que je te conseille de faire à chaque fois à coup sûr si jamais tu décides de faire cette technique du je marche et puis je vois ce que je trouve en termes de logement, et ben c'est toujours d'aller demander et de voir la chambre, parce que tu peux avoir vraiment des déconvenues, surtout si tu n'as pas eu là de commentaires ou de photos de l'établissement avant d'y aller. Donc tu n'y vas pas pour l'établissement, tu y vas parce que voilà, il y a un truc qui t'a attiré dans la rue. Donc il faut absolument que tu demandes à voir la chambre, à voir les commodités, pour être sûr que tu vas te sentir bien dans cet endroit là et que tu te fais pas arnaquer en payant tel prix pour rester dans des commodités qui ne sont pas du tout hygiéniques, ce genre de problème là. Donc toujours demander à voir la chambre, et si jamais ça ne te plaît pas, c'est pas parce que du coup tu as dérangé entre guillemets la personne pour qu'elle t'amène voir la chambre que tu dois rester. Genre ne te sens jamais obligé de rester dans un endroit, hein. Si jamais ça ne te plaît pas, si jamais tu ne te sens pas à l'aise, si jamais ce n'est pas les conditions d'hygiène qui te conviennent ou qui sont acceptables pour toi, tu t'en vas, il n'y a pas de problème, tu dis merci, ça me convient pas, désolé, au revoir, c'est tout. Mais ça je sais que je me suis sentie toujours mal à chaque fois, j'étais là, ouais mais du coup je les ai fait se déplacer, nanana, que dalle. Si t'es pas bien, c'est toi qui payes, tu payes pour un service qui soit donc plus ou moins de qualité, enfin ça dépend de tes attentes, mais si tu n'es pas bien dans un endroit, tu t'en vas sans scrupule quoi, hein, vraiment, toujours rester courtois, mais va-t'en. Donc j'espère que cette série de vidéos où je te donne des conseils, où on discute un petit peu du voyage, t'aura plu, t'aura été utile, surtout c'est vraiment l'objectif premier, parce que moi c'est en fait des questionnements et des réflexions que je me suis faites avant de partir, pendant que j'étais là-bas, et j'ai en fait trouvé la réponse que réellement en voyageant, c'est voilà vraiment ce que je te souhaite, c'est vraiment tout le mal que je te souhaite. Si tu décides de voyager, tu t'investis dedans et normalement ça va marcher. Ça peut te prendre beaucoup de temps, hein, plusieurs années peut-être pour économiser selon le voyage que tu veux faire, ou peut-être plusieurs mois, ou juste peut-être quelques semaines, mais voilà, dans tous les cas, si c'est ton projet, je te souhaite vraiment que ça aboutisse. J'espère que tu vas arrêter maintenant de vivre ta vie par procuration. Je t'ai sorti toute une série de conseils, de vidéos, de machin. J'espère que vraiment ça t'aura motivé à partir, que tu sois seul ou accompagné. J'espère que ça a pu être utile. Si tu penses que ça l'a été, lâche-moi un pouce s'il te plaît, ça me dira que tu as tout simplement aimé mon travail et mes conseils. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et d'avoir regardé la série de vidéos. J'espère que tu auras le meilleur voyage de la Terre, du monde entier et de l'univers entier, et même d'autres galaxies plus loin que l'univers.